Brava Jésus Christ. Viens les frères et sœurs, que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Vous qui aimez le Seigneur, vous qui prenez plaisir à demeurer ferme dans sa parole. Vous qui vous êtes tués, amenez une vie saine et une vie sainte qui lui est agréable, que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Alléluia. Avant que le prix soit commencé. Amen. 5 heures qui est noté ici. 5 heures. Amen. Montez devant les élèves. Point à barrière. Alléluia. Amen. Amen. Nous élèvons nos mères et toi. Nous élèvons nos mères et toi. Nous élèvons nos mères.
le temps qu'on vous ouvrir la page de la Bible. Au nom de la Genèse. Amen. Alors pour la Genèse. Alléluia. Au premier verset, et je fais la lecture. On se tient pour un instant et vous pouvez faire par la parole. Vous même un instant. Alléluia. Alors je fais la lecture. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était en forme vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit, que la lumière soit et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne. Et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour et les ténèbres. Et les ténèbres nuit. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le premier jour. Alléluia. On va prendre Jean 1, 1. Jean chapitre 1. Verset 1, je fais rapidement la lecture, un court instant. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie et la vie était la lumière des hommes. La lumière est venue dans les ténèbres et les ténèbres l'ont poursuivie. Il est un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vient pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout le monde. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a pas connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont pas reçu, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de Dieu, même ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et la parole de cette chair, elle est habitée parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous allons contempler sa gloire. Une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Seigneur, que Dieu nous Père, nous te remercions, nous te bénissons, nous te rendons toute la gloire parce que tu es fidèle, parce que tu es Dieu. Que le Dieu Jéhovah qui a créé toutes choses. Et au Père, hors de toi, il n'y a pas de vie ni de salut. Que l'unique sauveur, et il t'a vu dans ta grâce de nous assembler dans ce lieu. Parce que tu connaissais bien la place dans ce monde, tous les enfants de toi-même qui a ta vie à toi. Aussi, ta parole de Dieu. Oh, Dieu, la parole qui est claire, nous donne. Nous sommes autour de cette parole véritable. Nous te prions de bénir ta parole. De bénir ton serviteur, en voyant pas ton esprit. Et que notre Dieu, au Père, nous t'a promis, dans 2 Jean 3, que ceux-là que tu envoies, ils disent les paroles de Dieu, et tu leur donnes point de l'esprit à Jésus. Daigne, bénis ton serviteur. Daigne, notre Dieu, au Père, poindre. Oh, Dieu, la parole au Père de l'esprit. Opère la bouche de nos serviteurs et que davantage ta grâce de faire ton peuple, que tu l'accordes d'avoir un cœur disposé, un cœur fertile, afin ta semence et la parole puisse être ensemencée et produire, notre Dieu, le fruit escompté par toi. Bénis ta parole, conduis toujours au Père. Nous croyons que c'est toi qui enseignes et qui convainc les cœurs au nom précieux, puissant de Jésus-Christ, que nous te le demandons. Amen. Que Dieu bénisse mes frères et sœurs. Que le Seigneur bénisse pour la patience que vous avez eue. Donc, dites-vous, c'est quelques 2 minutes. Alléluia! Bien aimé, on va voir ce petit sujet. Amen! Ce petit sujet que j'ai intitulé. Amen! La lumière! Pour ça que la lumière, c'est le Seigneur. La lumière sera pas les ténèbres. Je mène la semence de Dieu prédestinée. La lumière frappant les ténèbres révèle la semence de Dieu prédestinée. Vous préférez, révèle l'enfant de Dieu prédestiné. Révèle les fils et les filles de Dieu prédestinés. Alléluia! Bien aimé, nous voyons au commencement, Dieu a créé les cieux de la terre. Et la terre est
jaillit la lumière dans les ténèbres, dissiper les ténèbres. Et ça va être divisé en deux. Dieu a séparé les ténèbres avec la lumière. Amen. Dieu a mis la lumière à part. Il a mis les ténèbres à part. Parce que Dieu n'aime pas le mélange. Amen. Il n'aime pas le mélange, bien aimé. Alors, il a séparé la lumière avec les ténèbres. Et il y avait la lumière jour, et il y avait les ténèbres nuit. Et là, il dit, nous qui sommes du jour, nous sommes dans la lumière, nous avons produit les fruits de cette lumière. Alléluia. Quand la semence est en terre, bien aimé, le Seigneur dit, si quelqu'un de blé planté en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il rejaillit. Il rebellit. Amen. Alors, c'est la lumière qui frappe la semence en terre, qui fait que la semence pousse. Amen. Alléluia. Voilà si j'ai planté, Apollos a arrosé, et c'est Dieu qui fait croire. Alléluia. Alors nous sommes des fils et des filles de Dieu. Bien-aimés, la seule opportunité pour toi, pour que ton péché soit pardonné, c'est par le sang de Jésus-Christ. Et le sang de Jésus-Christ est purifié de tout péché. À condition que tu aies été déjà prédestiné. Non, voilà ce que les païens disent. Ils auraient un morceau de bois dans l'eau, de déjeuner avec un aliment. Là, ils ont raison. Nous avons été toujours des fils de Dieu. Bien avant que le monde ne soit conçu par le Seigneur. Le monde ne soit créé par le Seigneur. Donc, même si ton péché est pardonné, ton péché est purifié par le sang de Jésus-Christ, c'est que tu étais bien avant la fin. Bien avant la fondation du monde, tu as été toujours un enfant de Dieu. Mais comment le donner que tu es un enfant de Dieu? Mais c'est par ton fruit, par ta vie que tu mènes, à la ressemblance du Seigneur qui est le modèle parfait. Alors, tu ne peux pas dire que tu es un enfant de Dieu, alors ta vie que tu mènes est une vie qui est contraire à la vie de Dieu. Alors, on a été toujours un enfant de Dieu. Bien, il est dit. Ton nom est écrit dans le livre de vie de l'agneau, tu as été toujours enfant de Dieu. Mais seulement que avant tu marchais comme tu voulais, parce que la lumière n'avait pas encore frappé ton cœur. Amen. On était tous dans les ténèbres. On chantait ce cantique-là. Nous étions dans les ténèbres, sans Dieu et sans espoir. Et le Seigneur est venu et sa lumière nous a frappé. Alléluia. La parole qui était très vie nous a frappé. Et cette parole nous a attirés. Nous étions dans des familles différentes. Dieu a fait sa semence dans des familles différentes dans le monde. Amen. Et le Seigneur fait sortir sa semence des quatre coins du monde. Et elle ramène à lui par le biais de son esprit qui convainc. La Bible dit, vous serez tous enseignés de Dieu. C'est par le Saint-Esprit. Et alors la Bible dit, que l'Esprit de Dieu rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Bien aimé, si tu es enfant de Dieu, tu le sais et Dieu le sait. Oui, et le diable aussi de même le sait. Oui, monsieur, il le sait certainement. Le diable connaît la vie de lui-même. Oui, monsieur, ne dis pas que tu vas être caché. Le Seigneur dit sa parole qu'une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Oui, si vous êtes allumé du monde. On va le lire. On va la parole. Alléluia. Bien aimé. On va le faire. Alléluia. On va faire la lecture. On va le faire. Matthieu 5, 13. Matthieu chapitre 5, 13. Il fait la lettre. Vous êtes le sel, vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi l'allure en entend. Il ne sait plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Pourquoi le sel? Parce que dans le sel, il y a une saveur. Il y a une saveur. Mais si cette saveur là, je cours la vie. Parce qu'on veut plus mettre dans la sorte. On va se donner la sorte. Alors ça ne sait qu'elle est. Eh bien, si vous dites qu'on est enfant de Dieu, vous n'êtes pas la faveur de l'Esprit de Dieu.
la faveur de la vie de Dieu en vous. Vous ne savez qu'à être jeté dehors. Là où il y aura les grincements des dents et des pleurs. Permet la parole de Dieu inscrite. Dieu est l'auteur de sa propre parole. Alléluia. Alors, vous êtes la lumière du monde. Une vie située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le poisson, mais on la met sous le chandelier, elle éclaire tout ce qui est de la maison. Bien-aimés, Dieu nous donne la lumière du monde. Pourquoi? Parce que nous avons été tirés de lui. Nous sommes sortis de lui. Nous sommes partis de lui. Amen. Et Dieu dit que étant la lumière du monde, nous devons éclairer par notre vie comme nous devons au quotidien. Est-ce que la lampe, quand on arrête la lampe, on ne met pas la lampe sous la table. On met la lampe sur la table. Et cette lampe, quand elle brille, elle éclaire tout cela qui sont de la maison. Amen. La parole est portée ici, à la chair. Par le Saint-Esprit, au travers des saints de Dieu, éclaire tout cela qui sont de la maison de Dieu. Pour les restaurer, pour les instruire, selon le conseil de Dieu. Pour nous préparer à la maison. Bien-aimés, c'est pour cela que nous sommes là. C'est pour aller à la rue du Seigneur dans les airs. Parce que Dieu l'a acquis par son propre sang. Bien-aimés, nous lui appartenons. Nous sommes sa propriété privée. Alléluia. Alors, nous revenons à la Genèse. Nous allons prendre Genèse 3. Amen. Je fais la lecture. Tu as une vie épurée par la parole.
accidentellement tombé sur la toile fallait. Et par ta vie, tu vas perdre d'autres personnes aussi, plus de soi-même. Alléluia. Parce que Dieu est ses enfants. Quand tu parles de Dieu, il revient à la parole de Dieu. Pleinement. Alors, il dit maintenant l'humilité. Nous voyons la semence de Dieu et la semence du diable. Mais c'est une réalité. Les deux semences sont dans le monde. Vous voyez bien. Alors, Dieu, bien entendu, pour encore la parole, il demeure dans la parole de Dieu concernant le livret et le blé. Alléluia! Que les pasteurs enseignent une même fois. Il définit les enfants de Dieu et les enfants du diable. Mais les deux sont pour vivre ensemble. Mais un groupe est du monde, un groupe n'est pas du monde. C'est-à-dire, vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Vous ne pouvez pas vous associer, vous marier au système mondial. Être profane. Dieu n'est pas un profane comme il a eu. Ne pas avoir l'esprit mondain. Bien aimé, de sortir du système mondain. On arrive pour les hommes. Ça veut dire qu'on a tous les dieux encore une fois comme eux, de la nature. Mais étant des êtres prédestinés, Dieu l'a fait grâce et il s'est fait connaître à nous. Et comme notre nom était bien avant la fin du monde écrit dans le livre de vie de l'agneau, autant marqué, la lumière frappant notre vie des ténèbres nous a éclairé. Nous sommes sortis d'Égypte. L'Égypte est mort, hein, bien aimé. Alléluia. Nous sommes sortis du monde et le Seigneur, par son esprit, il nous éclaire parce qu'il a promis lui-même de nous enseigner. Lui-même de nous conduire. Lui-même de nous conduire. Bien aimé, c'est la parole. Alors, nous voyons aussi les géants autant, bien avant, où il y a eu de ces géants, comme Goliath. Bien aimé, la Bible dit que les hommes ont vu les filles des hommes. Les filles de Dieu ont vu les filles des hommes et il a pris ce qu'il voulait. Il dit que les filles des hommes étaient vraies. Et ça a lieu un grand mélange que Dieu, au temps de Noé, a détruit. Amen. Il a détruit ce monde-là. Parce que c'était de n'importe quoi. Un mélange. Dieu n'a jamais aimé le mélange. Et Dieu ne voulait pas qu'aujourd'hui, les hommes mélangent sa parole. Il faut comprendre une parole saine et pure. Sans que les hommes aient mis leurs pensées, leurs traditions là-dedans. Parce que Dieu ne change pas. Dieu n'évolue pas. Mais non, il va évoluer. Dieu, il est déjà parfait. Il n'a ni fin de vie, il n'a ni commencement de vie. Il va évoluer au moins. C'est un être parfait. Donc, on peut dire que le Seigneur va évoluer. Sa parole reste telle. Sa parole ne change pas. Alors, il faut regarder ce qui est parfait pour être parfait. Il ne faut pas regarder ce qui est boiteux, ce qui est éphémère. Pour dire que tu dois aller au ciel. Je pour laquelle la parole de Dieu nous est donnée aujourd'hui. Amen. Bien aimé, le Seigneur s'est levé à ce moment. Prenez le cas de cette femme samaritaine. Bien aimé, une fille de prostituée, elle se prostitue pour avoir son pain. Elle a eu qu'à 6 maris. 5 maris, elle était bien, elle n'était pas son mari, le 6e. Alléluia. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Quand elle a entendu la voix du berger, voix, j'ai vu ce qui est prophétisé. J'ai vu le Messie. Celui dont on a parlé, parce qu'il n'était pas dans la domination. Elle n'était pas des choses faites de même homme, mais parce qu'elle était fille d'Abraham. Elle a reconnu toute la voix de son pays. C'est clair. Elle a reconnu le salaire de le Seigneur. Et à partir de ce moment-là, parce qu'elle a demandé à ce que Dieu lui donne, le Seigneur lui donne. L'eau vive, vous ne pouvez rien là. Et bien, après la révélation, elle va se là. Parce que l'eau qui est là, c'est pour l'eau, pour la soif du corps. Mais l'eau de la parole est pour la soif éternelle de notre âme. Amen. La soif éternelle de notre âme, c'est la parole de Dieu. L'eau est composée du corps, âme, esprit. L'eau est composée du corps, âme, esprit.
Dieu a pris Adam. Il a modelé la vie. La poussière, la terre. Et il a soufflé dans les narines d'Adam un souffle de vie. Alors Adam est devenu quoi? Une âme vivante. Alors l'homme est pris de corps, âme et esprit. Bien aimé. Le corps a ses besoins. L'âme et l'esprit ont les besoins. Le corps, tirant de la poussière, prend sa nourriture dans la poussière. Tout ce qui est vient de la poussière. Les plantes, nous venons, la tomate, l'aubergine, le gombo, le poisson. Amen. Tout ça vient de la poussière. Alléluia. La viande que nous mangeons vient de la poussière. Regardez l'animal, il mange quoi? Il mange les ailes tirées de la poussière. Alors le corps, sa nourriture, ses besoins, c'est les choses tirées de la poussière. Et l'âme de l'homme, sa nourriture, c'est la parole de Dieu. Alléluia. Le Saint-Paul dit, en venant, je me dis, je suis le vrai pain qui est descendu du ciel. Qui prend en main ne mourra jamais. Amen. Il dit, celui qui croit en moi, tant même qu'il meurt, il vivra. Et il dit, quoi que cela, c'est la vie que tu mènes. Et une vie qui est conforme, restaurée à la parole de Dieu. Il n'y a plus de moi à moi. La mort est à la vie. Il y a des solutions, solutions, solutions. La vraie solution, c'est Jésus. Il n'y a pas de solution. Il ne faut pas perdre les gens. Il ne faut pas tromper. La solution véritable, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est Dieu. Qui a la solution pour tout le monde et pour tous nos problèmes. Alléluia. Comprendre. Dans le livre. Je vais vous laisser un peu. Un homme véritable
qui est chrétien doit rencontrer la lumière. Et cette lumière, donne lui une réalité à la parole dans sa vie. C'est cela. C'est clair. Sans cela, on ne pas rencontrer le Seigneur. N'a pas fait. N'a pas fait. Une rencontre personnelle avec le Seigneur. Elle va plus flotter. Elle va plus flotter. Son assise spirituelle ne sera pas ça. Tant que l'individu n'a pas encore fait une rencontre personnelle avec le Seigneur. Ce n'est pas le pasteur qui va lui prendre et puis il va prendre rendez-vous avec le Seigneur. Il comprend bien avant de parler au Seigneur. Non. C'est la manière d'écouter la parole qui crée en toi la disposition véritable. Pourquoi tu peux rencontrer le Seigneur? Tant que tu n'es pas arrivé là, tu ne peux pas avoir une assise spirituelle véritable. C'est vrai. Même quand tu rencontres le Seigneur, tu rencontres la lumière, tu reçois la révélation de qui est ton Dieu, alors tu as une assise posée. Plus rien ne peut venir te tomber. Plus rien. Seigneur, fais le charlatan, fais le charlatan, fais ceci, fais des miracles, fais ceci. Mais jamais fait des miracles. Parce que la parole de Dieu, dans Dieu, parce que cette notion est écrite, beaucoup viendront en ce jour-là. Seigneur, n'avons-nous pas fait des miracles en ton nom? N'avons-nous pas fait des prophéties en ton nom? Des miracles authentiques. Des prophéties véritables authentiques. Dieu aura plus au monde. Dieu ne se répond pas de cet homme. Mais cette personne qui fait des miracles authentiques, des prophéties authentiques, il n'allait pas avoir la connaissance de la parole. Et ça va pas faire des choses dans le désordre. C'est dommage. Dieu n'est pas un Dieu désordre, mais un Dieu du Père. Un Dieu d'ordre. Bien aimé. C'est cela qui a donné sa parole. Regardez Moïse. Moïse est un prix de Christ. À la naissance du Seigneur Jésus-Christ, il a été petit. Les enfants étaient tués, tués, tués. À la naissance de Moïse, les enfants étaient tués, tués, tués. Moïse a été consacré. Le Seigneur s'est été consacré. Moïse a donné la loi. Le Seigneur a donné la loi. Un type de qui parfait. Bien aimé. Et autant marqué, Dieu s'est fait pour l'interdit dans le buisson Adam. Le buisson qui était en train de ça éclairait, on voit des flammes de feu, mais ça ne consumait pas. Alléluia. Le lieu où les femmes sortaient. Et le Seigneur dit à Moïse, en descendant de ce lieu, car le lieu de Dieu est un lieu saint. Pourquoi? Pourquoi Dieu dit que ce lieu est un lieu saint? Bien aimé, c'est parce que la présence de Dieu était là, Dieu était descendu là. Pas parce que le sol était saint. Dieu a dit à Adam, ce sol-là sera maudit. Ça va te conduire des ronces et des épines. Et c'est un sort de travail que tu vas tirer dans l'ombre de tous les jours. Dieu t'est descendu là. Au lieu, tu n'auras pas dit non. Il ne faut pas porter chaussures. Et que vous marchez pieds plats, bien aimé. On ne peut pas marcher pieds plats parce que la parole ne nous dit pas de marcher pieds plats. Aujourd'hui, je vous le dis, il y a des saints. Pourquoi? Parce que la Bible dit qu'il y a des saints. La présence de Dieu en vous vous sanctifie. Dieu en vous sanctifie. Et ceux qu'il a connus, il les a aussi quoi? Appelés. On va le dire. Alléluia. On va prendre la lune de Jean. De Romain plutôt. Romain oui. Alors pour la vie, vous êtes plus bonnu, je dois avoir. Dommage que de les avoir tous. Romain 8, la page restée 28. Vers la lecture. Amen. Bien aimé, on suit. On ne sommeille pas. On t'apporte le voisin qui dort. Amen. Alléluia. Alors, nous sommes du rêve.
de ceux qui sont appelés pour son discernement. Car ce qu'il a connu d'avance, il est aussi prédestiné à être semblable à l'image de son fils, afin que son fils soit le premier-né de beaucoup de frères. Bien aimé, on doit être à l'image de Jésus-Christ, qui est le modèle parfait. C'est le modèle parfait. Ce ne sont pas les stars des voix de lui, des cinéma, des films, c'est pas ça, pas cela qu'il faut les parler. Le modèle parfait, c'est le Dieu des cieux, lui-même, en tant que créateur des cieux de la terre, pour accomplir sa volonté, lui-même, il est descendu sur la terre, en passant par le canal du lion du vierge, comme il a promis à Isaïe, le prophète. Alors il est descendu selon sa parole. Dieu pourrait se présenter là, de voir si le créateur. Et c'est ce que les pharisiens sculptés attendaient que le Dieu vienne et qu'il les débarrasse des Romains, non? Dieu, c'est pas ça. Il dit, mon roi n'est pas d'ici bas. Si mon roi n'est pas d'ici bas, il y a de manière une réunion d'ange pour combattre pour moi. Mais le Seigneur est venu tout ça, le sacrifice de la rédemption par son sang pour ses enfants. La rédemption passée par son propre sang pour ses enfants. Parce que la loi dit que ça est le sang, il n'y a pas de problème de péché. Vous croyez que le sang des animaux là peut vous purifier de tout péché? Allez, ça fait même 1000 bœufs, c'est zéro. Bien aimé. Comme tous ceux à la date, tous vivent un fils. Même le bébé qui vient de naître, le bébé a le péché Adamique en lui. Ce sont des bébés du bébé qui est né là. Il n'a même pas encore dit maman ni papa. Mais parce qu'il est déjà contaminé par le péché Adamique. Donc, normalement, quand vous voyez. Pourquoi est-ce que Jean pleurait beaucoup? Prenez la famille Saint-Jean. Et je pleure beaucoup parce que personne n'est digne de regarder même le livre ni de l'ouvrir. Et là, le vieillard a dit, ne pleure plus. Car le lion de Judas a vaincu pour vous. Et lui, il est digne par son propre sang. Il a fait l'expiation de tous vos fautes. Quand il a regardé, il a vu là un agneau immolé. Bien aimé, le sang de l'agneau. Alléluia! C'est cela. Le Seigneur l'a acheté à grand prix, inestimable. Alors, quand il a appelé, il est là aussi. Quand il a conduit, il est là aussi. Appelé. On continue. Ce qui a fait la garance, il est là aussi prédestiné à être semblable à l'image de son fils, afin que son fils soit le premier de beaucoup de frères. Et ce qui a prédestiné, il est là aussi appelé, et ce qui a appelé, il est là aussi justifié, et ce qui a justifié, il est là glorifié. Même pour le bien, c'est la foi. En mettant son esprit dans notre vie, dans notre cœur, dans notre âme. L'Esprit de Dieu vivifie la parole qu'en nous. Alléluia. Premièrement, quand vous mettez pas lui dedans, elle va éclairer. Même la lampe, même la nettoyer d'abord. Si vous ne nettoyez pas, elle est dedans. La lumière sera fou. Vous pouvez pas bien voir. Voilà pourquoi je sais, nous sanctifie d'abord. Quand on reçoit la parole de la parole, nous nettoyons là, nous sanctifie. Bien aimé. Lorsque tu obéis à la parole, je te nettoie, je te lave. Et après ça, Dieu vient paisiblement prendre l'aise de ta vie en demeurant dans ton âme pour te glorifier après la sanctification. Maintenant, lorsqu'on marche avec lui, dans une continuelle obéissance, la Bible dit que le sang de Jésus nous lave de nos péchés. Et nous avons communion avec lui. Dieu ne communique pas avec ceux qui vivent mal. Il communie avec ceux de la commune vie, sanctifié, purifié. Il fait de nous des saints. Alors je dis qu'il n'y a pas de saints. En de Dieu, il y a donc qui ment. Dieu dit qu'il y a des saints, il y a des personnes qui sont sanctifiées, qui l'utilisent, en qui il habite. Le Seigneur habite un Dieu qui n'est pas sanctifié. Ne rêvez pas. Il est donc saint. Pourquoi nous marchons dans cette part? Nous les sommes conduits par son esprit. Tu peux y aller, quand je viens, je vais aller où vous voulez. Mais lorsque tu seras comme quelqu'un de saint,
que ta voix qui te conduise. Et c'est de ce qui t'instruise dans la volonté par de sa parole. Que nous instruise. La Bible dit que la parole de Christ, il ne lui appartient pas. Parce que tu n'as pas dit que toi, la vie de Dieu, tu es chrétien, et ta vie que tu mènes est une vie de mort. Une vie de mort, dans laquelle il n'y a pas de Dieu. Bien aimé. Nous allons continuer un peu. La nourriture de l'âme, c'est la parole de Dieu. Mais une parole de Dieu non salée.
l'âme de l'homme. Amen. Alors nous devons recevoir la parole de Dieu, non falsifiée, non mêlée de pensées humaines. La parole de Dieu prime. Amen. Nous continuons. Que la débauche n'ait aucune impureté, ni de cupidité. La cupidité, c'est quoi? Cupidité, c'est aimer l'argent. Dieu te bénit, tu as les moyens et tu fais quoi ça? Dieu t'a donné pour soutenir le but. Si tu le fais pas, alors ne m'a pas été là. C'est la privation de la famille. Bien les laisser conduire à chaque instant par l'Esprit de Dieu. Parce que nous-mêmes, que Dieu a acheté, nous lui appartenons. Tout ce que nous possédons, lui appartient. Et il nous a racheté d'un si grand prix inestimable. Et nous faisons partie de son pâturage, de ses troupeaux, de ses brebis. Et nous avons marché d'une manière sincère, honnête, dans une des sanctifications de l'humain. Parce que nous sommes des enfants de lumière. La lumière doit dégager son effet. Et l'effet de la lumière est positif, bien aimé. Un enfant de Dieu là où il passe par la lumière. Tout enfant de Dieu de l'État, Patrick Marcelon, de même que Joseph, parce que le passé de la béni. De la même chose pour du phare, Dieu m'a béni. Avec Pharaon, Dieu m'a béni. Tout ce qu'il dit est un pouvoir. Parce que Dieu a dit, il aimait David dans son cœur, mais Dieu a aimé Joseph dans son cœur. Oui. Mais quand même, les enfants des êtres humains, c'est de sang et de chair en nous. Pourquoi nous, on ne se dit pas aimer le Seigneur? Vous nous attachez à lui. Dieu sonne les reins des cœurs pour qu'il sache que nous l'aimons. Pourquoi Dieu sache que nous l'aimons? C'est rien que l'obéissance de la parole. Amen. On continue. Ni la cupidité ne soit même pas nommée parmi vous. Ainsi qu'il convient à des saints. La Bible dit des saints. C'est pas ça qu'il a donné aux religieux là. La Bible n'a pas dit à des morts. Le Seigneur nous a donné un Dieu vivant. C'est pas un Dieu mort, c'est un Dieu vivant. D'éternité en éternité, il vit. Il subsiste d'éternité en éternité. Et c'est celui-là qui est notre grand Dieu qui habite en nous par son esprit. Qui fait de nous des saints. Amen. Nous continuons. Alléluia. Le cas qu'on n'entend ni parole grossière, ni propos insensés. Bien aimé, une personne qui a la lumière, qui est un enfant de lumière, il n'est pas dans ses propos insensés. Parole grossière. La Bible dit, bien aimé, lisez entre les lignes et laissez l'Esprit de Dieu vous accorder la révélation de ce que vous lisez. Ne nous arrêtez pas à l'être. La Bible dit, les paroles grossières là, ça ne veut pas de Dieu. Et la Bible dit, ce n'est pas ce qui entre la bouche qui souille, ce qui sort de la bouche. Ce qui entre la bouche, c'est la nourriture. Ce qui sort de la parole. Et quand la parole sort, ça sort du cœur. Bien aimé, c'est dans le cœur que Dieu demeure. Dans l'homme, ce n'est pas dans le sang que Dieu reste dans ton cœur. Ce n'est pas dans tes pensées que tu le reçois. Tu ne reçois pas Dieu dans tes pensées, tu le reçois dans ton cœur. Et quand il habite en toi, amen, il te sanctifie. Quand on a lu l'Apocalypse 3:14, le Seigneur dit, celui qui entend ma voix et ouvre, moi et mon Père, nous viendrons habiter chez lui. Et nous souperons avec lui. C'est le Seigneur qui dit, dans ce temps-là, il dit qu'il frappe à chaque cœur. Il frappe. Je me tiens à la porte de ton cœur. Il y a même le fait ma vie qui a changé. Je me tiens à la porte de ton cœur et je frappe. Si tu entends ma voix, ouvre-moi, j'entends. Alléluia! Et un jour, si Dieu veut bénir ce cœur-là ici, si Dieu le permet. Nous allons continuer un petit peu. Bien aimé, c'est très important. Qu'on entende ni parole grossière, ni propos insensés, ou équivoque, choses qui sont
contraire à la bienveillance. Les gens qui disent non, c'est visé, même ne vont pas avoir des beaux procès en eux. Mais ça, c'est le monde. Mais on a nos disciples. La Bible dit, si nos disciples ne suivent pas, c'est l'esprit des pharisiens, on n'entrera pas. Alors, les propos grossiers, les mauvaises paroles dans nos cœurs, tout ça là, dans notre bouche, Dieu dit, n'en veut pas. Tu n'es pas profane. Tu n'es pas mondain. Alléluia. Alors, contre la science, qu'on a entendu les paroles d'action de grâce. Car sachez le bien, aucun débauché, ou impur, ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Que personne de vous, que personne ne vous séduise par le vain discours, car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur la vie de la rébellion. C'est à cause de ça que Dieu veut condamner le monde. Dieu a détruit plus fort le monde. Si ces choses encore viennent, il va les condamner. Mais le Seigneur va prendre soin d'enlever son fils, ses élus, enlever son épouse. Avant que les choses n'arrivent, la tribulation, les choses n'arrivent. Et après, c'est le jugement dernier. Ces personnes seront jugées et condamnées. Et Paul dit, ils n'ont aucune excuse. Bien aimé. Parce que la parole est prêchée par nous. C'est prêchée par nous. Que personne ne voulait. Que personne ne vous séduit par le vain discours, car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les filles de la rébellion. N'ayons aucune part avec eux, c'est clair. Amen. Autre force des ténèbres. Et maintenant, vous êtes lumière. Vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez contre les enfants de lumière. Nous devons marcher contre les enfants de lumière. Par où nous passons? Où nous tenons, le nom du Seigneur doit être honoré pour nous. Je ne veux pas qu'on dise, oh, il y a un chrétien. Bien aimé, évitez ça, le mauvais comportement. Mais comme là, vous devez avoir fruit, une personne n'est pas de Dieu qui s'efforce d'obéir. On ne s'efforce pas d'obéir. On obéit en faisant des efforts de manière naturelle. Parce que nous sommes enfants de Dieu et c'est notre nature de pouvoir obéir au Seigneur. Si tu fais des efforts de toi-même, ça ne marchera pas. Mais si tu demandes au Seigneur de t'aider, il va t'aider et tu vas obéir facilement. Amen. C'est par la foi de Dieu que nous obéissons. Amen. Alors, autre fois, les ténèbres, et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. Car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Examinez ce qui est agréable au Seigneur et ne prenez pas aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Bien aimé, nous marchons ensemble vers vos pays. Nous marchons ensemble, je vois un frère qui sort de la parole, je viens avec. C'est ça clair. Ne pas laisser le frère aller lui attendre dans le tout. Pourquoi? J'ai quel amour de Dieu en moi pour lui. J'ai quel amour de Dieu. Tu as reçu la parole, tu es baptisé, tu vois cette histoire, tu as la parole, tu t'as dit. Tu ne comptes pas, il prend 2 millions de personnes, on vient en ta. Tu ne comptes pas, on prend une troisième. Si la vie ne coule pas, on fait les anciens, on voit l'église. C'est la parole de Dieu. Et c'est ce chaque là, on doit se surveiller. Dis non, ta famille, bien aimé, ta vie là, tu as dit ici devant les hommes, que pardonnez pas au Seigneur. Ça ne t'appartient pas. Amen. Ma vie. Quelle vie? Ta vieille vie dans ton droit. Dieu n'a pas nettoyé ton vieux droit encore. Là, le quoi? Dieu t'a racheté par son sang. Tu viens à partir. Donc maintenant, on va te laisser. C'est ma vie privée. Là, on va dans ma vie privée. Quelle vie privée? Le Seigneur dit, il y a rien de caché qui ne doit être découvert. C'est écrit. Donc, bien aimé. Elles vont les autres sont des seigneurs réalité et marchant de même pas. C'est ça la parole. Les semblants, hypocrisie, tout ça. Ça fait du diable. Fais pas de Dieu. Ça fait du diable pour la parole du Seigneur. Cette manière malicieuse de marcher avec le Seigneur. Va faire la parole du Seigneur, tu seras découvert. Un Dieu qui est omnipotent, omniprésent, omnipuissant.
présent, omnipotent et qui remplit toutes choses, qui voit toutes choses. Tu ne peux pas tricher avec le Seigneur. Tu ne peux pas tricher avec lui. Si tu veux marcher avec le Seigneur, marche avec le Seigneur. Si tu veux marcher avec le Seigneur, comme le livre pourrait le dire, si c'est le Baal que vous aimez, allez avec le Baal. Si c'est l'Éternel qui est Dieu, venez avec le Seigneur. La parole de Dieu est dans la balance. Amen. Nous allons achever tout à l'heure. Alléluia. Moins de 4 minutes. Dieu merci. Le Seigneur nous fait grâce. Et cette grâce-là, nous la ferons pas au pied. Oui. Oui. Quand il est honteux de dire ce qu'ils font en secret. Mais pour ce qui est. Réprouvé apparaît en pleine lumière, car tout ce qui est aussi manifesté est lumière. Bien aimé, les gens ne parlent de la parole parce que leur comportement, leur vie est mauvaise. Et les personnes qui sont conduites ici, parce que leur vie qui mène là, c'est une double vie. Et à côté de la parole, ils sont en train de s'appeler les tapis, ils ont continué à chemin. C'est ça le problème. Quand vous qui êtes dit, réveille-toi toi qui dors, réveille-toi dans tes morts et tu t'éclaireras. Prenons garde en fait de vous parler, nous conduire avec circonspection. Non comme des insensés, mais comme des sages. Bien aimé, voilà ce que le Seigneur dit de racheter le temps. De nous conduire de manière sage et racheter le temps. Par la vie que nous menons. Parce que nous sommes de la part de lumière, nous étions dans des familles différentes. Et le Seigneur par son esprit, il nous a attirés à lui pour faire de nous des fils et des filles. Et nous sommes en train de nous préparer pour l'enlèvement. Que chaque frère, chaque soeur prenne garde à la manière dont elle marche, la manière dont tu parles, la manière dont tu regardes, la manière dont tu entends aux états. Et quand la parole sort, ayez des oreilles spirituelles pour comprendre. Vous ne pouvez pas écouter en vain. Vous ne pouvez pas que nous soyons les résultats au milieu, on reçoit la parole de Dieu et puis ça sort de côté. Alléluia. Alléluia. Bien aimé que le Seigneur bénisse. Nous croyons que quand même que la parole de Dieu est là, est dite, nous sommes des frères et des sœurs, aimons-nous réellement, sans hypocrisie. Et laissons le Seigneur nous tailler. Un chrétien, il se laisse tailler. Il ne résiste pas à l'esprit de Dieu. Quelqu'un qui résiste à l'esprit de Dieu, c'est que sa conscience. Ta conscience est démodée. Hein? Si notre conscience est démodée, elle n'est pas pure. Si nous n'avons pas de façon sur la parole de Dieu, c'est pas la peine. C'est que c'est dangereux pour nous. Que l'on dit!